Salut à toi YouTube, on vient d'avoir un petit fail. Mon PC a totalement planté en lançant le jeu. Enfin, c'était en pleine cinématique et ça a planté d'un coup. Donc on va retenter, voir si ça marche bien. On verra bien. En tout cas, on découvre Sekiro Shadows Die Twice. Bienvenue. Alors, c'est parti pour la découverte. Quand ça voudra charger. C'est bon. Tokiwa. 戦国末期、日の本全てを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い足の中に燃え広がった。graphiquement、c'est réussi。 C'est vraiment magnifique. Et oui, dommage. Voilà, c'est tellement beau. Paf dans le pied. Faut pas faire de bien ça. Comme d'hab, hein, doublage japonais est absolument... Très bien, il va très bien avec ce genre d'ambiance. En même temps c'est normal mais il est bien réalisé. Oh mais les graphismes quoi, c'est fou. Qu'en penses-tu YouTube de ces graphismes? Incroyable. Commence l'histoire de notre héros. On va le protéger. Ne plante pas, s'il te plaît. C'est là qu'il a planté. C'est bon. C'est bon, on va pouvoir jouer au jeu. Incroyable. Peut-être pas que je crédite entre vite. Hein ? Ça continue. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Okami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Évidemment. Sodate no gifu mo. Mamoru beki aruji mo. Ah, donc là on est sur le moteur du jeu. Il neige, très bien. Shinobio. Oui, c'est moi. Nezamete kudasai. Anata no aruji no tame. Qu'est-ce donc? Mm.
C'est bon, il est encore vivant, on l'a vu bouger du dos. Tout va bien. On va pouvoir jouer. Et il a vieilli, hein, c'est plus le petit garçon qu'on a vu tout à l'heure. Ok. C'est parti pour le jeu. Ah oui, on a vraiment plus de vie. Hein. Ah, mais la vie, vous a... Ah, vous allez pas voir ma vie. Oh, ça va être chiant. Parce que ma vie, elle est derrière moi. Et si je bouge... Merde. Si je me déplace. Si je me mets là. C'est pas mal, là. Ça me semble bien. Menu... Oui, d'accord. Ah oui, mais forcément, il me met les touches de Magnetic Box, alors que c'est pas une Magnetic Box, mais c'est pas grave. On devrait y arriver. Je voulais juste... baisser deux, trois petits trucs. Histoire d'être sûr que ça rame pas. On est bien. Ah oui, mais du coup, c'est marqué X, donc moi, j'aime sur X, mais... Lol. Une lettre jetée au fond d'un puits. Loup de Kuro. Ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Même sans épée, tu peux y accéder. Reste silencieux, reste vigilant. Tout à fait ma spécialité. Alors, comment on... Ok. Ça lagouille un peu. Ah, au secours. Au secours. On va mettre en intermédiaire tout ce qu'on peut mettre en intermédiaire. Mais même là, ça lagouille. What the fuck? C'est même pire. Au secours. Hein? Au secours. Si je vais par là, ça fait quoi? Il y a un truc là-bas. Je le veux. Je ne peux pas. Peut-être qu'on pourra revenir. Mais par contre, si ça lagouille comme ça tout le long du jeu, au secours. Non mais sérieusement, est-ce que ce monde est sérieux? Saut mural. Très bien. On va faire un petit saut mural. Réservoir d'Ashina. Très bien. Ah non mais ça va être chiant hein, par contre. Ça va être très chiant graphiquement. Je vais pas mettre en bas quand même. Ça change rien. Ça change rien. Au secours. C'est quand même pas parce que je record en même temps. Oula, j'ai failli tomber. Ah oui, mais je peux peut-être tomber là, en fait. Ah mais non, c'est là où j'ai commencé. Du coup, on peut pas aller là où j'ai vu le petit objet tout à l'heure. Au secours. Au secours, ça rame. Yo, ça saccadouille un peu. Bah oui, c'est ce que je vois. Mais même quand je mets en bas, ça saccadouille. Comme tu dis. Comment vas-tu, Dada? Alors, attends. Et si j'arrête le local record et je prendrai la VOD sur Twitch? C'est mieux. C'est largement mieux. Bah super, merci le local record. Bon, tant pis. Ok. Non, ah, forcément. Mais pourquoi il met les touches Xbox aussi, au secours?
on peut jeter un coup d'œil. Il y a des gens. Avancez sans être vu en vous accroupissant dans les buissons ou en vous déplaçant sous le sol. Vous n'avez pas d'épée actuellement, évitez les ennemis avec furtivité et allez à la tour de la lune. Un avertissement apparaît au-dessus de la tête des ennemis, vous êtes sur le point d'être détecté. Fort bien, ah bah là oui c'est bon. Allez, go mourir maintenant. Mais non. On va jamais mourir, oui. Hein ? Ah oui, je peux passer en dessous. Très bien. Espionner. Une brief force à la tour de la lune ce soir. Héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin, j'ai pitié de ce garçon. Ah mais je cache les sous-titres du coup. Moi aussi, je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. Ouais, c'est pas grave. Très bien. Mais quel est l'intérêt de passer là? Je peux aller là? Se suspendre. Très bien. Merde, il va me voir. Non, tu me vois pas, c'est faux. Je regardais jusqu'au moment où je me suis arrêté. Pas question de me spoil. Bah oui, évidemment. Bon, heureusement qu'il y a des herbes un peu partout, hein, quand même. Espionner. La porte de la tour de la lune, tu as vérifié qu'elle est fermée, hein. Elle est bien fermée, mais personne ne s'est occupé de ce trou dans le mur. Ça, ne t'en fais pas. Le trou est en face de la falaise. Personne ne pourrait l'utiliser pour entrer. Sauf moi. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais va-t'en. Secours. Secours. Mais non, mais... Ouais, ça marche aussi comme ça. Ah, mais tu pouvais rester safe en passant sous la maison. D'accord. Bon, mais c'est bon, je suis safe. Hop. Ok. Tout va bien. Par contre, c'est perturbant qu'ils mettent les touches Xbox, ouais. Ah oui, il est là le trou. Ah bravo, c'est très bien gardé. Salut. Ah mais du coup ça va être chiant pour que je m'enlève. Salut. Hisashina, Okami. Omukai ni sanjou itashimashita. Ah voilà, on va sentir moins nu. Kusabimaru. Sonata no katana da. Kusabimaru. Très bien. Waga shinobi yo. Très bien. Kusabimaru, un sabre offert par Kuru, l'héritier divin. Il appartient au Hirata, une branche de la famille Ashina. On a longtemps cru qu'il s'était perdu, mais Lou l'a de nouveau en sa possession. Le fourreau et le manche sont d'un noir banal. Son nom signifie lien avec qui, avec ce qui est précieux. Et on dit que la lame incarne ce sentiment. Ok. Prépare-toi autant à souffrir qu'à t'en prendre plein les yeux. Ah oui, non mais t'inquiète, j'ai vu MV jouer hier. C'était marrant. Du coup, j'ai pas bossé hier. J'ai fait que le regarder. Mais c'était drôle. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, faire un... Ouais, je le ferai après. Ouais, non, ça peut être utile. Deux secondes. Faire un raccourci pour switcher de chaîne.
Où est-ce que c'est? Ah, tu t'es spoil, c'est moche. Non, mais ça va, j'ai juste vu. J'ai pas vu grand-chose. Puis de toute façon, je regardais en. Si, je bossais quand même, de toute façon. Où sont mes scènes? Ah, je plein écran, passer à la scène. Tac. Ok. Si je fais ça et ça, ok, ça marche. Ok, on est bon. Non mais quand je dis suivais, je regardais comme ça vite fait, mais j'ai pas regardé dans les détails. Qu'as-tu à me dire? Loulouéal, je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Ah oui, la gourde. Parfait. Ah, ça veut dire qu'on peut se barrer sans lui parler et du coup on n'a jamais la gourde. Lol. Une gourde d'eau médicinale qui restaure la vitalité se reposer remplira la gourde. Fabriquée par un apprenti de l'incroyable docteur Dogen. Le remplissage automatique de la gourde peut sembler étrange, mais les graines qu'elle renferme expliquent peut-être cela. Oui, donc ça fait comme dans Dark Souls et Bloodborne. Quoi. Après quoi, oui. Je vais mettre ces VOD, par contre, ça promet d'être salé. Oh. Ah, c'était assez épique. Surtout face à l'ogre enchaîné. C'était marrant. Ok, d'accord. Très bien. En sifflant dans un roseau. D'accord. D'accord. Très bien. Utilisation de l'objet rapide. Vous voyez, gauche-droite et vers le haut pour utiliser l'objet. Ah oui, mais il faut l'équiper. Voilà. On peut ouvrir la porte, mais lol. Des boulettes, évidemment, pour la vitalité, mais très lentement. Ah non, du coup, il faut que je ressorte par là et que je tue ceux qui me bloquaient la route, là, enfin ceux que j'ai évités. C'est ça le bail? Très bien. Ah, salut. Est-ce qu'on peut l'avoir discrètement? Posture et coup mortel. Un shinobi vise à briser la posture d'un adversaire. Attaquer l'ennemi est une manière d'y parvenir. Un ennemi déstabilisé peut être tué d'un coup mortel de shinobi. RB quoi, très bien. Ne te retourne pas. Ah! C'était fort. Ça va, c'est facile. Voilà, on va finir le jeu. Incroyable. Très bien. Alors évidemment, j'ai vu qu'il fallait regarder un peu partout. Il peut y avoir des objets cachés. Mais vu que j'ai pas le grappin, j'ai l'impression pour l'instant, donc... on va pas pouvoir aller bien loin. Ah, salut. Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture d'un adversaire. Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation. Évidemment, la parade au bon moment. Allez, viens. Viens te battre. Ça va, c'est une question de timing. C'est peut-être un peu fort, non? Dit-il. Non, mais je troll. Tout va bien. Je vais peut-être baisser un peu, non? Oui, la cible est gardée ennemie devant vous pour attaquer, dévier et accomplir d'autres actions de combat beaucoup plus facilement. Oui, merci. Allez, viens. Non, tu veux pas venir? Il va falloir qu'on attaque les deux, c'est ça? Super. Ah non, lui il vient tout seul. C'est bien. C'est un beau sbire. Allez, à ton tour. Fort, mais ça va. Ok. Du coup, c'est bien, là.
Nice. Allez, chacun son tour. Tout le monde y passera. Je peux peut-être me soigner, au fait. C'est mieux. Du coup, j'imagine qu'il faut que j'aille par là-bas, mais j'ai envie de tuer tout le monde maintenant. Genre lui. Il est bien tout seul? Oui. Allez, viens. Il y en avait là-dedans aussi, non? Sortez de là! Non? D'accord. Du coup, ça sert à rien de retourner au début. Ok, bon. Parce que j'ai vu que fallait aller un peu partout, fallait pas avoir peur d'explorer. Mais ça sera peut-être mieux quand on aura le grappin. J'imagine. Ah! Ah, un chef! D'accord, ça commence direct. Dévier une attaque puis exécuter aussitôt une contre-taillade. Ça vous permet d'infliger des dégâts à la posture sans donner autant à la limite de récupérer. D'accord. Aïe! D'accord. Hein? D'accord. Très bien. C'était chaud, mais c'est passé. Coup mortel contre les ennemis puissants. Un seul coup mortel ne suffit pas contre certains ennemis puissants. Oui, c'est le... les petits points rouges à côté de sa barre de vie. Pourquoi j'ai pas... D'accord. Allez, une première mort. Il fallait bien. Quand même. Ah, je m'attendais pas à ce que ça commence direct comme ça. Hein. Ah, mais le tuto est simple. Hein. Non, mais je sais, t'inquiète. Mais au moins, là, j'ai toute ma vie. Tandis qu'avant, j'avais la moitié de ma vie. Et bah. Mais tout va bien, voyons. En fait, je me suis fait chier à tuer l'autre en haut pour rien, parce que pour l'instant, il n'y a même pas d'expérience ou quoi. C'est vraiment juste le tuto. Bon, si tu m'attaques pas... Moi, je t'attaque, hein. Pas que ça a à faire. Toi, c'est pareil. Il m'a raté bizarrement, mais bon, trop bien. Allez, c'est parti. Oh bah c'était direct. Il a même pas eu le temps de réfléchir là. Simplement. Et il me donne des boulettes. Ah si, il y avait des boulettes en haut, je crois. À moins qu'elles soient déjà ramassées, comptées comme ramassées. Oui, j'en ai deux. Parfait. Poignée de cendres. Des cendres durcies ensemble, les jeter sur une mine pour les distraire temporairement. À China, la neige tombe en masse et la terre s'épaissit de cendres. D'accord. Ouais. Est-ce que je dois vraiment aller là? Je ne sais pas. Si tu veux varier les exécutions, varie les angles d'attaque. D'accord, oui, bon, on verra ça sur le moment. Hein. Ne s'ouvre pas de ce côté. D'accord, comme ça j'ai ma réponse. Très bien. Ah merde, j'ai pas fait gaffe.
peut-être mieux pas tomber là. Hein? D'accord. Faut que je saute au-dessus. Ah non, faut que je me colle au mur, évidemment. C'est bizarre, il s'accroche pas automatiquement. On n'est plus habitué à ça. Passage secret en bas de la douve, hein. On vient de recevoir l'ordre de le garder, ok. D'accord. Quel est ce truc? Il y a un piaf. Est-ce qu'il va m'emmerder ou... Ah, c'est pas un piaf. Oui, c'est pas un piaf. C'est dégueulasse. C'était pas beau ce truc. What the fuck. C'était vraiment pas beau. Allez hop. Il va falloir que je me laisse tomber, c'est ça. Donc on dirait qu'il n'y a pas de dégâts de chute, ou du moins... faut vous tomber de très haut, j'ai l'impression. Des boulettes, très bien. On aime les boulettes. Oui, il m'avait surprise Gollum aussi. Je sais pas, on aurait dit un piaf en fait, mais un gros piaf. Mais en fait non, ce n'était pas un piaf. Très bien, allons-y. Bah là, il y a une statuette, mais on peut pas l'utiliser encore. Très bien. Ça semble être le passage pour s'échapper, appeler l'héritier divin en sifflant dans le roseau. Allez, vas-y. Magnifique, un sifflement très net. Et il y a même des dégâts de chute. Ah, mais de très haut, j'imagine. Okamio, yoku mitsukete kureta. Sa, mairo. Gyoi. D'accord. Mais non, mais... Oh, chaque fois. Oui, non, une fois que nous aurons quitté le château, je suppose que nous devrons d'abord franchir la frontière d'Ashina. Ou peut-être nous cacher quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Comme vous le... Comme je le veux. Voilà le loup que je connais. Monseigneur. Oh, ce n'est rien. De vieux souvenirs. Mais il est temps d'y aller. Très bien. C'est parti. Non, je déconne. Du coup, il va me suivre. Mais oui, il va me suivre. Super. C'est bizarre comment il se lance pour sauter. Enfin, coup comme ça, c'est bizarre. Très bien. Le seigneur Genichiro. Hein? Sérieux? On enchaîne comme ça les combats? Merde, je croyais pas. Très bien. Pourquoi pas? Je peux pas esquiver ça, c'est vrai. Enfin, je peux pas la bloquer. Ouais.
Ah mais... Ça est tendu. Va faire des petits coups comme ça. Oh oh, calme-toi. Ok. Le moment idéal pour soigner, c'est sûr. Mais pourquoi j'ai fait ça? Au secours. Je vais mourir. Petite boulette. D'accord. Ah, c'était normal. Ah, d'accord. Oui, je comprends mieux. C'était normal. Bien survécu, pas mal. Mais lol. Ok, donc je comprends mieux parce que... Normalement, on a le bras mécanique. Mais je savais pas que c'était à ce moment-là. Et donc il emmène le gamin. Et donc l'histoire ça va être de le retrouver, c'est ça? Et du coup c'est bizarre parce qu'il avait que techniquement deux barres de vie, enfin deux finish à faire, donc c'était pas non plus infaisable. Il doit être possible de le battre, mais on doit quand même se faire avoir. Ouais, je pense, il doit y avoir un petit piège comme ça. C'est même sûr. Parce que bon, quand tu te vois comme ça, c'est quand même faisable si tu joues bien. Petit réveil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux monsieur poilu. Prothèse de Shinobi. Un bras prosthétique conçu pour les Shinobi et donné par le sculpteur. Une réplique de bras humain pouvant recevoir toutes sortes de mécanismes. On l'avait visiblement conçu pour l'amélioration et la personnalisation. Il a beaucoup servi, on aperçoit des taches de sang et d'huile, mais il est bien entretenu. Bah heureusement, attends. Bouddha miséricordieux. D'accord. 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 Du coup, oui, petite nouveauté dans les jeux From Software, les Souls-like et compagnie, on a un perso qui parle. Incroyable, grosse avancée. Très bien, on était ravis d'apprendre ça. Oui. On m'appelle Lou. Demandez quand vous êtes arrivé là, lui parler de votre nouveau bras gauche. Ah oui, quand même.
Ok. お前さんにくれてやる。忍び騎手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。 Ok. D'accord. Ok. Comment je suis arrivé là? Ah oui, quand même. Toi, tu peux bouger? On dirait pas. ずいぶん経つぞ。うん。そうか。そうか。じゃあ、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。 ソンセニエ、sur le sang de l'héritier. D'accord. Eh ben très bien. Comment ça, je suis curieux? Tu peux parler, toi? D'accord, très bien. Bon bah du coup on a atterri là, c'est magnifique, tout est beau, incroyable, on a un nouveau bras et tout ça. Mais YouTube, on va s'arrêter ici pour cette VOD. Merci à toi d'avoir regardé, n'oublie pas de la partager, de laisser un petit pouce bleu évidemment. Et on se retrouve très vite pour la suite, évidemment. Avec toujours le compteur de mort, incroyable. Allez, salut.